Alors, Julie vient de se joindre à nous. Alors, bonsoir, Julie. Si vous désirez communiquer avec moi, vous pouvez, entre autres, utiliser l'outil de clavardage qui se retrouve en bas à gauche de votre écran. Alors, il y a Noëline qui vient aussi de se joindre à nous. Alors, bienvenue, Noëline. Alors, bonsoir à tous les cinq. Je me présente. Mon nom est Nicolas Boivin. C'est moi, votre professeur pour le cours en ligne Fiscalité 2 que vous suivez en ce moment. Alors, l'activité débutera à 17h05 précise. Si vous désirez tester votre microphone et ou votre caméra, vous pouvez le faire maintenant. Je vous indiquerai si je vous entends bien. Ce webinaire auquel vous êtes invité ne se déroulera pas sous la forme d'une présentation magistrale de ma part. La parole est plutôt à vous. C'est vous qui me poserez vos questions. Des questions qui peuvent porter sur le contenu pédagogique qui a été vu dans le cadre des sujets 1 et 2 étudiés jusqu'à maintenant dans le cours. Ça peut être des questions adressées au personnage Gaston Gaulin relativement à l'étude de cas évaluée que vous avez à compléter cette semaine. Ça peut être des questions en marge de la préparation de votre examen intra qui aura lieu la semaine prochaine ou pour toute autre question. S'il vous plaît, je vous demanderai de prendre un petit instant pour aller lire les consignes de fond du bon déroulement du webinaire que vous allez retrouver aux pages 3 et 4 du document présentement affiché à l'écran. Entre autres, il est indiqué que vous devez, entre guillemets, lever la main pour poser une question. Donc, quand vous êtes à tour de rôle, quand vous voudrez vous adresser à moi et me poser une question, s'il vous plaît, levez la main en pesant sur le bouton qui se retrouve complètement en haut à gauche de votre écran. Comme ça m'indique avec un signal sonore que quelqu'un a une question à me poser et ça me permet d'y répondre en ordre chronologique. Lorsque votre tour arrive, vous pouvez me poser votre question à l'aide de votre microphone ou par écrit si vous préférez en utilisant l'outil de clavardage qui se retrouve en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez aussi activer votre caméra ou pas, libre à vous. Finalement, je vous rappelle que l'intégralité des échanges qui surviendront lors du déroulement du webinaire est enregistrée et que l'enregistrement est ensuite rendu disponible au visionnement à tous les étudiants. En participant au webinaire, vous acceptez d'être enregistré. À tantôt. Dites-moi, est-ce que le son de mon microphone est bon? Est-ce que quelqu'un pourrait juste me valider dans l'outil de clavardage si on m'entend bien? Oui, c'est bon. Merci, Noëlène, d'avoir répondu.
Alors, bonsoir de nouveau. Je vous rappelle tout simplement les consignes pour le bon fonctionnement de l'activité de ce soir. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Nicolas Boivin, je suis votre professeur de fiscalité pour le cours de fiscalité 2. Si vous désirez tester votre microphone ou votre caméra, vous pouvez le faire maintenant. Je vais vous dire si ça fonctionne. Alors, je vous rappelle que le webinaire auquel vous êtes invité ce soir ne se déroulera pas sous la forme d'une présentation magistrale de ma part. La parole est plutôt à vous. C'est vous qui me poserez vos questions. Ça peut être des questions qui portent sur les sujets 1 et 2 qui ont été étudiés dans le cadre du cours jusqu'à maintenant. Ça peut être des questions adressées au personnage Gaston Gaulin dans le cadre de l'étude de cas évalué que vous avez à compléter cette semaine. Ça peut être des questions en lien avec l'examen à venir la semaine prochaine, l'examen intra ou toute autre question. Alors, je vous rappelle les consignes bien simples à suivre pour le bon déroulement du webinaire. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai quand vous désirez poser une question de lever la main entre guillemets, donc en utilisant le bouton qui se trouve complètement en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez manifester que vous voulez poser une question. Lorsque votre tour arrive, vous pouvez poser votre question à l'aide de votre microphone ou par écrit tout simplement en utilisant l'outil de clavardage qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Vous comprenez que si vous n'avez pas levé la main, je ne pourrais pas suivre vos questions qui sont posées dans l'outil de clavardage. D'ailleurs, Mélissa a déjà posé une question sans lever la main. Mais c'est correct pour cette fois-là, Mélissa. Je vais te répondre de vive voix dans 2 petites minutes. Finalement, vous pouvez activer pardon, votre caméra ou non. C'est vous qui décidez. Dernière chose, je vous rappelle que l'intégralité des échanges qui surviendront lors du déroulement du webinaire est enregistrée, pardon, et que l'enregistrement est ensuite rendu disponible au visionnement à tous les étudiants. En participant au webinaire, vous acceptez d'être enregistré. Alors, allons-y. Mélissa m'a posé une question 2, 3 fois. Est-ce que nous pourrons poser d'autres questions après le webinaire? Honnêtement, je comprends pas nécessairement la question, mais donc le webinaire, c'est une activité d'1 heure et demie où je me mets à votre disponibilité, comme vous pouvez voir, pour répondre à vos questions. Vous pouvez tirer n'importe où. Je vais répondre du mieux que je peux. Mais ceci étant dit, comme professeur de votre cours en ligne, je peux toujours répondre à vos questions. Donc, ce n'est pas juste pendant cette heure et demie-là. D'ailleurs, si vous allez sur le site web de votre cours en ligne, le fameux site qui est séparé par semaine, à la page d'accueil, c'est marqué « Joindre l'enseignant ». Et en cliquant là-dessus, je vous rappelle qu'il y a toujours 3 façons de me joindre, et ça en tout temps. Vous pouvez venir me voir à mon bureau à Trois-Rivières si vous êtes de passage dans les murs de l'UQTR. Vous pouvez me téléphoner à mon bureau. Le numéro de téléphone est indiqué à cet endroit-là, ou en posant des questions par écrit sur le forum de discussion. Fait que c'est, oui, je suis disponible pendant 1 heure et demie pour vous poser des questions ce soir par webinaire, mais je suis toujours disponible quand même pour répondre à vos questions. Puis je vous donne plein de possibilités pour me rencontrer en personne, par discussion, par téléphone, ou en utilisant le forum de discussion Wikifisc qui est mis à votre disponibilité. Donc, Mélissa, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne vois pas comment donc, je peux toujours répondre à vos questions. Mais l'activité de ce soir, le webinaire, lui, va durer 1 heure et demie. Alors, je vous laisse la parole. Il va falloir que quelqu'un casse la glace et lève la main pour poser une première question. Sans quoi, vous allez trouver le webinaire, et moi aussi, long et ennuyeux. Alors, Julie casse la glace, merci. J'imagine qu'elle utilise l'outil de clavardage. Alors, Julie dit, pour l'examen intra, aurons-nous droit à une feuille de notes? Alors, Julie, excellente question. La réponse, ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez droit à 2 feuilles de notation. Mais avant toute chose, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que j'ai à vous dire concernant l'examen intra, je vous l'ai écrit. C'est écrit dans le contenu du site du cours en ligne, dans le contenu de la semaine 7 précisément. Vous comprenez que dans un cours en ligne, toutes les communications importantes entre le professeur et les étudiants se font par écrit parce que ça, il n'y a rien qui peut se faire en classe. Donc, moi, j'ai tout écrit ce que j'ai à vous dire dans chacun des contenus des semaines de cours. Donc, cette semaine, la semaine 6, concernant le webinaire, tout ce que j'avais à vous dire concernant le fonctionnement du webinaire, je l'avais écrit là, dans le contenu du site du cours en ligne, semaine 6. Cette semaine, il y a une étude de cas évaluée aussi. Tout ce que j'avais à vous donner comme consigne très importante était écrite dans le contenu de la semaine 6. L'examen, c'est la semaine prochaine, dans la semaine 7 du cours en ligne. Je vous invite à aller lire attentivement ce que j'ai écrit pour vous dans le contenu de la semaine 7 du cours en ligne. Et entre autres, de les retrouver à cet endroit-là, qui est les consignes en vigueur à l'examen, à savoir que vous avez le droit d'amener 2 feuilles de notation, pas une, mais 2 feuilles de notation recto verso, donc l'espace, l'équivalent de 4 pages d'espace, que vous pouvez annoter comme vous voulez. Et ça, c'est écrit en détail dans le contenu de la semaine 7 du site du cours en ligne, et j'ai écrit beaucoup d'autres choses intéressantes et importantes pour vous. Je vous encourage à aller
lire tout ça. J'espère que ça répond à votre question, Julie. Vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît, et n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Alors, Noëlène, maintenant, me pose une question par écrit. Est-ce qu'après avoir fait tous les BQI, nous sommes comme assez outillés pour l'intra? Ah, Noëlène, c'est un bel exemple. Elle a lu, elle, le contenu du site du cours en ligne dans la semaine 7, parce qu'une des choses qui était justement écrite à cet endroit-là, dans la semaine 7, concernant l'examen, c'est que la meilleure préparation, effectivement, la meilleure préparation qui soit pour l'examen intra, pour vous, c'est clair, c'est de faire avec sérieux tous les problèmes de la BQI en fiscalité. Donc, rappelez-vous, dans la démarche pédagogique que vous avez à faire à chaque semaine, la première étape, c'est de faire des lectures, écouter des vidéos. La deuxième étape, c'est des petits questionnaires, 10 petites questions en choix multiples. Et la troisième étape, c'est des problèmes à résoudre. Et c'est là qu'on vous envoie finalement faire des problèmes très complets, touchant la matière de la semaine dans la BQI en fiscalité. Et effectivement, la préparation à l'examen, c'est par là qu'elle passe. Je n'ai même pas peur de le dire. Ceux qui ont travaillé très fort les problèmes de la BQI en fiscalité, qui sont pas toujours faciles, je vous l'accorde, qui sont longs parfois, qui sont lourds, dans lesquels il y a beaucoup d'informations parfois, qui est fournie d'une façon réaliste, puis qui peut un peu nous déstabiliser. Mais ceux qui ont travaillé fort sur ces problèmes-là, puis qui se sont bien sûr autocorrigés, puis vous allez retrouver à l'examen des pâles questions semblables à ça, beaucoup plus simples, beaucoup plus synthétisées, parce qu'à l'examen, j'ai pas le temps et l'espace pour vous inonder d'informations. Il y a un contenant à respecter en temps et en contenu. Donc, ça va être beaucoup plus simple que ce que vous allez avoir vécu dans la BQI en fiscalité. Puis, c'est dans ce sens-là que je dis que vous allez être très bien récompensé. J'espère que ça répond à votre question, Noéline. Vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Alors, j'ai une question de Sophie qui va peut-être prendre la parole ou peut-être utiliser l'outil de clavardage. OK, en attendant la question de Sophie, je vais prendre celle de Jacinthe. Alors, puis Sophie, je reviens à vous par après. Jacinthe demande dans l'outil de clavardage. Ah, oh, Sophie, allez. OK, Jacinthe dit, est-ce que le compte de passif fournisseur du bilan ne devrait pas faire partie de la conciliation en tant que somme à recevoir? Est-ce que le compte de passif du fournisseur du bilan ne devrait pas faire partie de la conciliation en tant que somme à recevoir? Oh, je ne suis pas sûr de comprendre votre question, Jacinthe. Je ne sais pas, est-ce que ça fait référence à la conciliation que vous devez faire dans l'étude de cas évaluée de cette semaine ou c'est plus général? Mais je vais essayer de quand même bien vous répondre, là, Jacinthe. Vous comprenez que dans le sujet 1, il faut trouver le revenu d'entreprise. Il faut trouver le revenu d'entreprise qui respectent les règles qui sont conformes aux règles fiscales qu'on va étudier justement dans le sujet 1. Et la mécanique pour y arriver, parce que la conciliation, ce n'est qu'une mécanique, la mécanique pour y arriver, c'est qu'on part toujours du bénéfice qui a été obtenu à l'état des résultats dressé par les comptables. Donc, vraiment, là où je veux en venir, c'est que l'exercice de la conciliation, c'est un exercice qui porte sur l'état des résultats, pas sur le bilan. Donc, moi, je pars de l'état des résultats comptables, qui comprend des revenus, ça s'appelle des produits en comptabilité, qui comprend des dépenses, ça s'appelle des charges en comptabilité. Produits moins charges, ça fait le bénéfice net. Et le bénéfice net, rappelez-vous, ça doit être issu de l'état des résultats comptables, il devient mon point de départ dans ma conciliation. La conciliation, ça veut dire transformer quelque chose en quelque chose d'autre. C'est ça que ça veut dire une conciliation. Donc, l'objectif, c'est de partir de ce bénéfice comptable-là, et pour chacun des postes de l'état des résultats, je répète, qui a servi à construire ce bénéfice comptable-là, il faut se demander est-ce que le traitement qui a été apporté en comptabilité est le même que le traitement que je dois apporter en fiscalité pour trouver un revenu d'entreprise fiscal. Et sur chacun des postes de l'état des résultats, on se pose cette question-là. Donc, les questionnements et les ajustements qu'on fait en conciliation, ils nous sont suscités plus par une analyse des postes, de tous les postes de l'état des résultats, plutôt qu'une analyse des postes de bilan. Il me semble, à moins que je n'aie pas bien compris votre question, de scruter tous les postes de bilan,
C'est pas ça qui a construit le bénéfice comptable qui est notre point de. C'est pas dans cet état-là qu'on retrouve la construction du bénéfice net. Ça vient dans l'état qui s'appelle état des résultats. Je suis pas sûr que je réponds bien à votre question, Jacinthe. N'hésitez pas de revenir à la charge en nuançant votre question ou en. Ça me fait plaisir de bien vous répondre, puis vous êtes possiblement pas la seule à. Ça peut être utile à tout le monde, bien sûr. Alors, Sophie, elle a écrit sa question. Elle dit, est-ce que les questions d'examen vont être séparées par sujet ou il va y avoir de gros exercices comprenant plusieurs sujets mélangés ensemble? Ben, Sophie, je vais vous répondre bien, bien clairement. Là, vos sujets, les sujets matière à l'examen intra, et c'est écrit aussi dans le contenu de la semaine 7 du cours en ligne, je reviens toujours à ça. La matière à l'examen, bien sûr, c'est les sujets 1 et 2, et ils sont très, très, très intégrés, ces deux sujets-là. Le sujet 1 s'appelle calcul du revenu d'entreprise fiscale, et dans un calcul de revenu d'entreprise fiscale, il y a une des composantes qui est de déduire la DPA, la déduction pour amortissement fiscal qui est permise. Et celle-là, pour être capable de bien la calculer, la DPA fiscale, on a étudié le sujet 2. Fait que le sujet 2, c'est des règles de calcul pour en finalité trouver une déduction qui s'appelle la DPA, la déduction pour amortissement fiscal, et qui est une de mes composantes de mon fameux calcul de revenu d'entreprise dans le sujet. Donc, pour vous dire, là, je pourrais très bien poser une question à l'examen, une question, 3 heures, veuillez calculer le revenu d'entreprise. Et je vous occuperai pendant 3 heures, il y aurait des biens amortissables sur lesquels il faudrait calculer les bons amortissements pour aller les déduire dans le calcul du revenu d'entreprise. Ce ne sera pas ça, maintenant, ce ne sera pas une question de 3 heures, mais c'est sûr qu'il va y avoir un gros morceau de l'examen que ça va être une question de ce genre-là, parce qu'avec une question comme ça, on couvre l'ensemble du sujet 1 et 2. Mais donc, ce ne sera pas une question de 3 heures. Il y aura une grosse question intégrée, un peu comme celle-là, et il y aura d'autres questions plus spécifiques, mais qui recoupent toujours ces mêmes fameux sujets-là de calcul de revenu d'entreprise et de calcul d'amortissement intégrés dans le calcul du revenu d'entreprise. J'espère avoir bien répondu à la question de Sophie. N'hésitez pas, Sophie, si vous voulez plus de précision. Julie dit, oh, s'adresse à M. Gaulin. M. Gaulin, selon vos états financiers, on voit que vous avez fait des acquisitions et des dispositions. Serait-il possible de savoir ce que vous avez acheté ou vendu, s'il vous plaît? Donc, Julie s'adresse au personnage Gaston Gaulin. Vous avez, je fais juste un petit commentaire, là. Je veux que vous compreniez bien l'activité pédagogique que l'on fait cette semaine en faisant l'étude de cas, si vous avez bien lu la méthodologie, un des objectifs recherchés derrière ça, c'est de vous faire absorber le plus d'informations possible en lisant vous-même les états financiers d'une entreprise comme celle de Sporomax et d'obtenir des faits manquants, le cas échéant, de la part du client ou le personnage Gaston Gaulin que je joue là, durant la semaine. Je joue ce personnage-là. Je vais vous répondre comme un client vous répondrait. Puis c'est pas pour être bête, puis c'est pas pour être. Mais ça fait partie de l'exercice, vous comprenez? Donc, à votre question, Julie, je vais vous répondre que vous avez fait des acquisitions et des dispositions. Serait-il possible de savoir ce que vous avez acheté ou vendu? Bien, la réponse est dans vos états financiers. Donc, je vous rappelle, Julie, que des états financiers, comme un bilan, par exemple, c'est une photographie des actifs qu'une société détient à une date donnée. Et vous avez les états financiers sur 2 ans. Donc, en faisant la comparaison des actifs qui sont détenus l'année passée et des actifs qui sont détenus cette année, entre autres, vous avez des notes aux états financiers qui ajoutent de l'information supplémentaire. Vous êtes capable de trouver la réponse à votre question. Voilà, Julie. Alors, on a une question de la part de Daryl. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Daryl, allez-y. J'aimerais savoir au niveau de l'amortissement,
Attends, excusez-moi pour le problème, enfant. Au niveau de l'amortissement des immobilisations, non, du calcul du gain en capital ou de la perte déductible faite dans la disposition des immobilisations, j'ai remarqué que lorsqu'on a une perte sur des immobilisations autres que le terrain, elle est toujours nulle. Mais lorsqu'on a une perte sur le terrain, elle est déductible au niveau du revenu imposable. J'aimerais savoir pourquoi. Quand c'est une immobilisation autre que le terrain, la perte est toujours nulle. C'est parfait, Daryl. Je comprends parfaitement votre question. Je coupe le micro. Oui, c'est ça. Je m'en réjouis de fermer votre micro. Ben, vous avez raison. Vous l'avez bien résumé. Puis je vais essayer de vous le montrer dans une image dans le volume qui vaut 1000 mots, selon moi. Mais vous l'avez très bien résumé. Lorsque l'on vend un bien amortissable ou un bien non amortissable, c'est vrai pour toutes les immobilisations, il y a un calcul de gain ou de perte en capital qui doit être fait. Et lorsque on fait un gain en capital, il est toujours imposable, le gain en capital, fois 50 %, vous le savez. On fait le prix de vente moins le PBA, le prix d'achat, et on fait fois 50 %. Si ça donne un gain, il est imposable à 50 %. Et si ça donne une perte, sur les biens amortissables, on dit que les pertes en capital sont toujours refusées et que sur les biens non amortissables, elles ne l'est pas refusées. Donc, votre question, c'est pourquoi? Je vais faire un partage d'écran. Vous allez voir deux petites minutes. Je vais vous montrer le livre numérique qui est votre livre que vous utilisez en classe. Partage d'écran ici. Donc, si je ne me trompe pas, vous devriez voir votre volume. Je vais aller vous montrer. Petite image qui explique la chose. Donc, tout à la page 143 de votre volume, Daryl, pour répondre à votre question, pourquoi la perte en capital est toujours refusée sur un bien amortissable? Bien, la réponse, c'est la suivante, c'est que si on ne la refusait pas, ça aurait comme finalité que la perte serait accordée deux fois. Donc, c'est tout simple. Donc, je répète, si la perte en capital n'était pas refusée sur les biens amortissables, on aurait la même perte qui serait reconnue deux fois pour le contribuable. Donc, vous le voyez de façon imagée à la page 143 du volume, la mécanique qui s'opère lorsque l'on vend un bien amortissable fait en sorte que s'il fallait qu'on le vende très peu cher, le bien amortissable, on subirait ce qu'on appelle une perte finale. C'est la section qui est verte dans l'image que vous avez sous les yeux. Et la mécanique de perte finale fait qu'on déduit de toute façon en guillemets, la valeur de la perte que l'on a perdue en vendant le bien amortissable. S'il fallait qu'en plus on accorde une perte en capital, ben, celle qui est en orange dans l'image que vous voyez à l'écran, c'est la même perte qui serait déduite deux fois. Donc, ça serait un non-sens et c'est pour ça qu'on la refuse. C'est fort différent pour le gain capital qui, lui, est illustré en bleu dans l'image parce que je vous rappelle que lorsqu'on vend un bien amortissable, il y a seulement une perte finale ou une récupération d'amortissement qui peut être calculée. La section, l'image qui est verte et rose. Et la récupération d'amortissement se termine à un montant équivalent au coût d'achat de notre bien amortissable. Donc, tout prix de vente qui se retrouve au-dessus du coût d'achat n'est aucunement reflété dans un calcul de récupération d'amortissement. C'est pourquoi le calcul du gain capital, la partie bleue, prend toute sa place. Alors, Dariel, j'espère que ça répond à votre question. Ça me fait plaisir. Alors, Jacinthe et Mélissa ont une question par écrit, j'imagine.
OK, alors on a reçu la question de Mélissa qui semble adressée au personnage de M. Gaulin. Vous avez fait l'acquisition d'immobilisation durant l'année 2018. Est-ce possible de me décrire la nature de ces acquisitions? C'est exactement la même question qui a été posée par Julie il y a 10 minutes. Donc, je réponds la même chose, Mélissa. Dans la méthodologie de l'étude de cas évaluée de cette semaine, donc dans les compétences qu'on veut mettre en pratique par les étudiants, c'est d'interpréter toute l'information qu'on est capable de retirer avec une lecture des états financiers. Donc, le personnage Gaston Gaulin, je joue le rôle d'un personnage qui vous répondrait comme un vrai client. Et dans ce cas-là, je vous dirais, Mélissa, il vous suffit de lire les états financiers attentivement, y compris les notes aux états financiers qui donnent beaucoup d'informations précieuses sur les différents postes de bilan. Et puisque vous avez des états financiers sur 2 ans, vous êtes capable de voir ce qui s'est passé dans chacun des postes, les variations qui se sont passées dans chacun des postes, et vous êtes capable de voir, entre autres, de répondre à votre question et de voir les acquisitions d'immobilisation qu'il y a eu dans l'année et les dispositions aussi. Est-ce que Jacinthe a une question? Oui. Alors, Jacinthe, est-il pertinent de connaître... Oui. Alors, Jacinthe, est-il pertinent de connaître ce que renferme une dette à long terme? Ou faut-il seulement s'en occuper lorsque c'est un contrat de location-financement? Bonne question, Jacinthe. Très bonne question, je la comprends très bien. Non, c'est pas pertinent, effectivement, de savoir ce que comprend une dette à long terme, parce que pour une entreprise, le fait d'avoir une dette, ça lui amène une charge. La charge, vous la savez, ben, je dis ça autrement, une entreprise qui contracte une dette fait des paiements. Lorsqu'elle fait des paiements, une portion du paiement, c'est l'intérêt qu'elle a payé. Et la portion intérêt, vous savez que c'est une charge qui est comptabilisée dans l'état des résultats. Et c'est en fiscalité, elle est toujours déductible à peu près, cette dépense-là d'intérêt. Donc, on a aucun élément de conciliation à apporter, on n'a aucun ajustement à faire puisqu'on a le même traitement. La charge d'intérêt est une charge admissible en comptabilité, tout comme elle est admissible en fiscalité. Donc, on n'a pas d'ajustement à faire. Ça, c'est ce qui arrive dans 99% des cas. Le seul 1% où c'est un peu différent, vous l'avez dit dans vos écrits, c'est s'il fallait que ce soit un contrat de location-financement sur une immobilisation, où là, il y a plus d'ajustements à faire. Donc, vous avez très bien compris, puis vous avez très bien compris la matière, je le vois dans votre question. Puis, vous n'avez pas à chercher à chercher plus d'informations que ça sur une dette à long terme. S'il fallait que ce soit un contrat de location financement, ça vous serait indiqué très clairement. J'espère avoir répondu comme il faut. Jacinthe, à votre question. À votre question. On a une question de Mélissa. OK. Alors, Mélissa pose une question au personnage Gaston Gaulin dans le petit clavardage. Monsieur Gaulin, dans le compte matériel roulant, vous avez fait l'acquisition, des acquisitions. Est-ce possible de savoir de quel type de matériel de matériel roulant est ce véhicule? Oui, bien sûr, Mélissa, vous avez fait une bonne lecture des états financiers. Donc, si on va voir, ça me fait plaisir de vous répondre. C'est des choses, effectivement, des précisions que je peux vous amener. Vous avez retiré le maximum que vous pouviez de votre lecture d'état financier dans ce cas-ci. Donc, les états financiers sont sur 8 pages, là, pour ceux qui l'ont à peu près 8 pages. À la page 7, on a une note sur les immobilisations, là, la note 4. Puis quand je vous parlais tout à l'heure de photographie,
On voit en 2000 WW, donc au 31 décembre de l'année passée, que la société détenait trois types d'immobilisation: bâtiment, équipement et amélioration locative. Et si on va voir le bloc un peu plus haut, celui de 2018, 2000XX, on voit qu'il s'est rajouté des immobilisations. Donc, on peut juste en conclure qu'il y a eu une acquisition. Donc, vous avez raison, le matériel roulant, il n'était pas là l'année passée. Et il est là cette année. Il a un coût de 40 834 cette année. Donc, c'est l'acquisition, je vous réponds à votre question correctement, c'est l'acquisition d'une seule voiture. Donc, Sport Romax a fait l'achat d'une voiture, une Honda Odyssey. Puis la voiture a coûté 40 834 cette année. Non, Mélissa, ce n'est pas taxe incluse. Les entreprises, vu que les entreprises récupèrent leurs taxes, les taxes, on ne les voit pas aux états financiers. Donc, une entreprise qui paie des taxes sur l'achat d'un véhicule va les récupérer du gouvernement, ces taxes-là, de toute façon. Donc, l'ensemble des postes que vous retrouvez dans les états financiers sont sans taxes, puis c'est normal parce que c'est comme si les taxes, en finalité, s'appliquaient jamais aux entreprises, puisqu'on les rembourse, les entreprises, pour toutes les taxes qu'elles ont payées. Une question de Noéline. Une question de Sophie aussi. Vous pouvez y aller toutes les deux. Je vais répondre à la première question qui va arriver. Ensuite, je vais répondre à l'autre. Alors, Sophie pose une question dans l'outil de clavardage en bas à gauche. Elle dit, pour la correction de Sport au max, est-ce que vous voulez qu'on inscrive nos calculs ou vous corrigez les réponses? Compte tenu que je le fais sur Excel, le calcul se fait automatiquement. C'est comme vous voulez. Faites votre. L'important, c'est que je puisse voir tous vos calculs. Donc, si vous avez fait des calculs dans des cellules, je suis capable d'aller les voir, il n'y a pas de problème. Puis c'est justement ça l'objectif. Une autre compétence qu'on veut développer avec l'étude de cas de cette semaine, c'est de vous faire travailler sur Excel. Ça a l'air simple, mais d'utiliser Excel comme un tableur, puis de faire la conciliation, de faire les calculs d'amortissement, puis d'utiliser les formules Excel qui vous sont offertes. Donc, ça aussi, c'est une compétence intéressante. Donc, je vous encourage à l'utiliser au maximum, à l'exploiter au maximum, Excel. Je m'arrangerai bien dans la correction pour aller voir ce que vous avez fait, puis retrouver vos calculs. Que ce soit que les calculs soient dans vos cellules parce que vous avez utilisé les formules Excel, c'est correct. Pas besoin d'aller les écrire à un autre endroit. Super, Sophie. Alors, Noéline a eu le temps de poser sa question. Monsieur Gaulin. La voiture que vous avez acquise était-elle pour des raisons personnelles ou pour des fins d'entreprise? C'était pour des fins d'entreprise. Donc, M. Sport Romax qui a acheté une Honda Odyssey au montant de 40 834, comme j'ai dit tantôt, ça sert uniquement pour les besoins de l'entreprise de Sport Romax. Alors, oui, Sophie. Et Noéline, j'attends, vous pouvez poser votre question, je vais répondre à la première que je vais voir apparaître. Sur Wikifisk, vous avez dit que c'était 40% des fins personnelles. Laissez-moi juste un petit coup d'œil. Je ne peux pas vous contredire, Sophie, mais des questions sur Wikifisk dans l'étude de cas relative à l'étude de cas Sport Romax, ça fait 2 jours seulement que les gens posent des questions. De mémoire, il ne me semble pas avoir répondu ça. Il ne faut peut-être pas mêler avec une autre étude de cas qui est en cours dans le cours de fiscalité 1 aussi. Mais sinon,
Envoyez-moi le lien. Si vous êtes capable de retrouver la question sur Wikifisk, faudrait aussi pas tomber sur des questions des années antérieures. Hein? C'est important de. Dans la banque, ça fait 10, il y a un cumul de peut-être 10 ans de questions et échanges qui sont survenus. Ça peut avoir changé au fil des années. Mais si c'est récent de cette semaine, je serais curieux que vous auriez juste à aller, si vous retrouvez la question par hasard sur Wikifisk, allez copier-coller dans la barre d'adresse l'adresse Internet précise de cette question-là, puis juste la mettre dans le forum de discussion, dans l'outil de clavardage qu'il y a là, puis j'irai voir. Puis honnêtement, si j'avais écrit ça, ça ne changerait rien. Que ça soit, peu importe quelle est l'utilisation, pour Sport au Max, là, quand on fait le calcul du revenu d'entreprise de Sport au Max, le fait qu'elle aille acheter une auto, peu importe à quoi est utilisée l'auto, c'est une dépense admissible parce que s'il fallait que la personne qui a l'auto l'utilise à des fins personnelles, elle, cette personne-là, subirait un avantage imposable et une inclusion dans son propre calcul de revenu d'emploi. Pour Sport au Max, ça ne change rien. C'est toujours un actif qu'elle a de besoin. Si l'actif est utilisé à des fins personnelles par l'employé, bien c'est l'employé qui va en acquitter les conséquences et qui va subir une inclusion en revenu d'emploi. Je ne vais pas avoir cette discussion-là pour ne pas mêler personne, mais si moi-même j'ai envoyé de l'information contradictoire, ce n'était assurément pas mon but. Puis c'est pour ça que je vous dis que ça ne change rien. Dans tous les cas, la voiture est amortissable pour Sport au Max en entier. Noéline, M. Goulin peut-il donner le plus de détails sur le nombre de kilomètres parcourus? Je comprends pas votre question, Noéline, mais si ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, ce que je pense, la bonne information que je dois vous dire, je crois, c'est que 100% du kilométrage de l'Honda Odyssey qui a été acheté par Sport au Max sert pour les fins de l'entreprise. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, même si j'avais écrit le contrat sur Wikifisk, ça ne changerait rien pour l'entreprise. Mélissa, alors Noéline, je viens de vous répondre. Mélissa, imagine votre question a été posée. Alors, Daryl, je vous écoute. Alors, Daryl utilise cette fois-ci l'outil de clavardage. Dans la conciliation du bénéfice comptable en bénéfice imposable, pourquoi l'impôt recouvrable est actif et conciliable à l'inverse de l'impôt payé? Je ne suis pas sûr de comprendre exactement votre question, Daryl, mais je vais vous répondre la même chose que j'ai répondu à l'autre étudiant tout à l'heure. J'oublie votre prénom. Quand on parle de conciliation, ça ne donne rien d'aller voir des postes d'actifs. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. La conciliation, c'est un exercice où on transforme un bénéfice comptable en revenu d'entreprise fiscale. Et le bénéfice comptable, qu'est-ce qu'il a construit? Bien, c'est des postes de produits et des postes de charges qu'on retrouve dans l'état des résultats. Donc, la totalité du bénéfice comptable, la façon qu'il a été construit, c'est démontré dans l'état des résultats en comptabilité. Donc, c'est les postes de l'état des résultats qu'il faut remettre en question afin de déterminer si en fiscalité, on aura le même traitement et sinon, quel ajustement on doit apporter justement pour transformer ce bénéfice comptable-là en un revenu d'entreprise qui respecte les règles fiscales. Mais de scruter les postes de bilan, ça n'aide pas à l'exercice du tout. Donc, on pourrait discuter des heures et des heures de d'où vient ce poste de bilan-là qui s'appelle impôt recouvrable, mais en finalité, on revient toujours à la même chose, on revient au poste d'état des résultats. Je pourrais peut-être vous expliquer la mécanique, ça serait vraiment très long, mais ça finirait par vous dire, ben, à quelque part, il y a un poste dans l'état des résultats qui s'appelle provision pour impôts exigibles et futurs de 253 752. Je suis dans l'état des résultats de Sport au Max. C'est lui qu'il faut enlever dans la compte. C'est lui qu'il faut sur lequel il faut se demander s'il y a un ajustement à faire ou pas. J'espère que je réponds. Daryl, oui. Vous voulez ajouter quelque chose, Daryl? Oui, en fait, dans les BQI que j'ai fait, il y avait un exercice où il y avait un impôt recouvrable et il y avait un autre exercice où il y avait un impôt à payer. Donc, l'impôt recouvrable, c'était comme de l'argent fictif qu'on recevait. Et l'impôt à payer, ça diminuait notre bénéfice.
D'accord, Laurel, mais ma réponse, c'est on pourrait en parler des heures et des heures des postes de bilan. Si vous voulez, chaque poste de bilan a une utilité, chaque poste de bilan a un sens, mais par définition, ils n'ont pas d'impact sur le bénéfice comptable. Donc, on discute de quelque chose que de toute façon n'a pas impacté sur le bénéfice comptable. Donc, dans votre conciliation, toute cette discussion-là est vaine parce que ça change, vous n'arriverez jamais en finalité à répondre à votre question, est-ce que je fais un ajustement dans la conciliation ou pas? C'est comme une question hors contexte sur un état qui est le bilan, qui n'est pas du tout pertinent pour un travail de conciliation. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Je vous suis. Enfin, à ce sens, les éléments que j'ai vus étaient dans l'état de résultat. C'est pour ça que ça me met. Si vous voulez me montrer la vécu en fiscalité, mais moi, je vous gage que le seul ajustement qui a été fait dans la conciliation, c'est le poste d'impôt qui passe à l'état des résultats. C'est lui qui a porté, sur lequel il y a eu un ajustement, indépendamment de ce qui est écrit dans les postes de bilan. D'accord. Okay. Mais on peut en parler demain si vous le souhaitez. Si vous trouvez l'endroit exactement dans la vécu en fiscalité, puis c'est pas, vous n'êtes pas convaincu de ma réponse, n'hésitez pas à me téléphoner. Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. C'est bon, Daryl? Oui, merci. Mélissa, vous avez possiblement une nouvelle question. Sinon, Daryl, Mélissa, pose une question dans l'outil de clavardage en bas à gauche. Petite précision sur l'utilisation du véhicule. La dépense ne serait pas admissible dans l'entreprise si vous l'utilisez à titre d'actionnaire. Oui, elle serait admissible, la dépense. Je vous jure, là, je ne voulais pas porter à confusion dans l'étude de cas parce que je voulais ce genre de discussion-là, j'ai trop peur de vous mêler. Puis, il vous semblerait que, je ne sais pas si j'ai donné de l'information contradictoire sur Wikifisc, ce n'était pas mon but. Mais je vais vous répondre avant la question parce que vous me la posez. Si, imaginez qu'une société acquiert un véhicule ou loue un véhicule, peu importe, et ou paye toutes les dépenses d'une flotte automobile qu'elle détient ou qu'elle loue. Puis elle paye l'immatriculation, paye l'essence, paye l'entretien. La compagnie paye ça au complet. Et imaginez que zéro kilométrage est fait pour les fins de l'entreprise et que 100% du kilométrage est fait uniquement à des fins personnelles par les employés qui utilisent l'auto. Bien, dans ce contexte-là, tout est déductible pour la société quand même. Parce que c'est un mode de rémunération. C'est quoi la différence pour une entreprise entre rémunérer un employé en lui donnant de l'argent ou le rémunérer en lui fournissant une auto qu'il va utiliser à des fins personnelles. Pour l'entreprise, il n'y a aucune différence. C'est un mode de rémunération comme un autre. Donc, dans tous les cas, une dépense de rémunération, c'est déductible. Qu'on la fasse en argent ou qu'on la fasse en fournissant une auto ou qu'on la fasse en fournissant n'importe quoi, ça sera toujours déductible pour l'entreprise. Elle a rémunéré son employé. Par ailleurs, l'employé, lui, aura des conséquences, bien sûr, de son côté, du fait qu'il se ferait fournir une telle auto et qu'il utiliserait l'auto uniquement à des fins personnelles. Espérant répondre à votre question, Mélissa, mais vraiment, ça dépasse le cadre de l'étude de cas cette semaine, puis même de l'examen, là, mais je... Ce n'est pas des discussions que j'ai habituellement avec les étudiants, mais vous m'avez posé la question. Là, j'espère que je vous ai répondu le mieux possible. Alors, Sophie, une question? Sophie pose comme question dans l'outil de clavardage. J'ai besoin d'un léger éclaircissement sur le calcul de la DPA. Lors du calcul de la DPA sous total partiel, je comprends qu'on doit faire la règle du demi-taux en fonction du pourcentage, mais je remarque que certaines fois, on applique seulement le demi-taux, mais pas la DPA à plein taux. Je ne sais pas si je suis clair. Bien, c'est sûr que c'est un petit peu difficile de si on n'a pas d'exemple chiffré. Je vais aller vous montrer dans le volume, Sophie. Mais juste avant d'aller vous montrer un exemple dans le volume,
Je pense que vous la connaissez. La règle, dans une catégorie de biens amortissables, à la fin de l'année, ce que vous appelez le sous-total partiel, c'est l'état d'une FNAC, d'un compte d'immobilisation. Une FNAC, c'est un compte d'immobilisation à la dernière journée de l'année. Donc, quand on a comptabilisé toutes les acquisitions de l'année, toutes les dispositions de l'année, le solde qu'on a à la fin, juste avant de prendre l'amortissement, c'est ça qu'on appelle le sous-total partiel. Et là-dessus, on prend une portion de DPA à demi-taux et une portion à plein taux. Mais des fois, les deux ne sont pas présentes. Donc, la portion de DPA qu'on applique à demi-taux, c'est seulement sur les immobilisations qu'on a acquises dans l'année. Alors que la portion de DPA qu'on applique à plein taux, c'est sur des acquisitions qu'on détenait déjà et qu'on avait acquis dans les années antérieures. Mais je ne sais pas à quel problème vous faites référence, mais c'est sûr que si dans une année, j'ai seulement des acquisitions dans l'année, dans une FNAC donnée, disons une FNAC de catégorie 8, disons, si dans la catégorie 8, j'avais aucun actif au départ, que j'ai seulement fait l'acquisition de 5 actifs dans l'année, bien c'est normal qu'il y ait juste de la DPA ou des mythos qui se prennent, parce que l'ensemble de ma FNAC, l'ensemble de mon sous-total partiel est constitué exclusivement d'acquisitions de l'année. À l'inverse, si j'ai seulement des acquisitions des années passées, pas d'acquisitions dans l'année courante, il n'y aura rien à demi-taux, ça va être seulement du plein taux. Et il y a des situations où c'est les deux qui trouvent place, parce qu'on a à la fois dans la FNAC des acquisitions des années antérieures et on a à la fois dans la FNAC des acquisitions de l'année courante. Je vais juste aller vous montrer dans le volume, sans passer un temps fou là-dessus, là, des petits exemples de ça. Donc, je suis à la page 133 de votre volume. Donc, ici, dans une catégorie 8 hypothétique, une catégorie 10 hypothétique, pardon, on avait 70 000 d'IMO qui venaient des années antérieures, puis 60 000 qui ont été acquis dans l'année courante. Bien, c'est pour dans cette année-là, il y aurait à la fois une portion de l'amortissement à plein taux qui s'applique sur le 70 000 et il y aurait à la fois une portion de DPA qui, elle, serait à demi-taux sur le 60 000. Si je descends un petit peu plus bas, ici, j'ai 70 000 d'actifs qui proviennent des années antérieures et j'ai seulement 7 000 d'acquisitions nettes dans mon année courante. Donc, 35 000 d'acquisitions et combinées avec 28 000. 20 000 et 8 000 de disposition. Donc, seulement 7 000 d'acquisition nette dans l'année. Donc, il y aurait demi-taux sur le 7 000 d'acquisition nette de l'année et plein taux sur le 70 000. Si je vous montre un autre exemple, j'ai 70 000 d'actifs au départ et cette fois-ci, j'ai aucune acquisition nette dans l'année. J'ai acquis 25 000 d'actifs, mais j'en ai disposé 28. Donc, au net de mes acquisitions et dispositions, j'ai rien acquis. Donc, j'aurais aucun demi-taux qui s'applique dans cette année-là, seulement un amortissement à plein taux sur le 67 000 de FNAC partiel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Chère Sophie, n'hésitez pas à revenir s'il y a autre chose. Alors, Noéline. Pour être sûr d'avoir compris, j'aimerais savoir si pour l'application de la règle du demi-taux, il y a certaines immobilisations admissibles et d'autres non. Ou alors la règle du demi-taux est admissible à toutes les immobilisations acquises en cours d'année. C'est une bonne question, Noéline. Puis il y a beaucoup d'étudiants qui semblent embêtés avec ça, puis qui cherchent des exceptions où il n'y en a pas. D'accord? La règle du demi-taux, là, elle s'applique partout, 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 partout. Si j'ai un conseil à vous donner, là, allez-vous-en à l'examen la semaine prochaine en vous disant à chaque fois qu'il y a une acquisition, j'applique le demi-taux. Si vous faites ça, vous allez avoir énormément de points, vous allez avoir à peu près tous vos points relativement à la règle du demi-taux parce qu'elle s'applique tout le temps. Il y a une seule exception, puis ce ne serait même pas grave de l'oublier, c'est la catégorie 14. La catégorie 14, c'est la seule catégorie où il n'y a pas de demi-taux qui s'applique sur les acquisitions parce que c'est une catégorie spéciale où on prend un amortissement très, très précis en fonction du nombre de mois où on a détenu le bien dans l'année où on l'a acquis. Donc, une catégorie où la précision est encore plus fine. On calcule le nombre de mois où on a détenu un bien dans une année. Et avec cette précision-là, une catégorie où la précision est plus fine, la règle du demi-taux ne trouve pas sa place. Mais ça, c'est l'exception. La règle générale, c'est celle qu'on vient de voir, demi-taux pour toutes les catégories. Et je vous dis, vous êtes mieux, remettez-vous pas en question à chaque fois, puis posez-vous pas la question à chaque fois, je sais pas s'il faut appliquer le demi-taux dans cette catégorie-là, il faut toujours l'appliquer. Puis si vous l'appliquez toujours, vous allez avoir le maximum de points.
Alors, Jacinthe, tu as une question? Pouvez-vous expliquer la différence entre la catégorie 1 à 4%, 6% et 10%? Excellente question, Jacinthe. Je vais aller vous montrer ça dans le volume. Bon, ici, on va toujours voir notre table des matières du sujet 2. Ici, avec un arbre de décision, c'est toujours plus facile. Donc, je suis à la page 129 de votre volume. Pas un arbre de décision, mais une ligne de temps plutôt. Donc, les dates avant mars 2007 ne sont pas importantes. Là. Vous, c'est l'année 2018 qui est importante pour vous. Donc, depuis mars 2007, mais en réalité, donc en 2018, ce sont ces règles-là qui sont en vigueur. Ça fait plus de 10 ans. C'est qu'il y a trois types d'amortissement pour des bâtiments. La première, voyez, c'est comme un petit peu un arbre de décision. La première séparation qu'il faut faire lorsqu'on achète une entreprise ou une société acquiert un bâtiment, c'est se poser la question, est-ce que le bâtiment est résidentiel ou non résidentiel? Donc, résidentiel, ça veut dire que on a acheté une bâtisse pour la faire habiter par des gens. On achète une bâtisse et on la met à la location et c'est des familles qui vivent dedans. Quand une bâtisse est résidentielle, le taux d'amortissement, c'est 4%. Quand la bâtisse n'est pas résidentielle, c'est donc qu'elle est commerciale, la bâtisse. Donc, la bâtisse va abriter des commerces plutôt qu'abriter des familles. Quand le bâtiment est à usage commercial, donc non résidentiel, il y a deux possibilités. Quel type de commerce est abrité dans le bâtiment? L'amortissement est soit de 10%, 4 plus 6, ou non. Et dépendamment du type de commerce qui est hébergé dans le bâtiment, l'amortissement est soit de 10%, 4 plus 6, ou de 6%, 4 plus 2. Juste un petit mot sur qu'est-ce qu'on veut dire par une entreprise qui fait de la fabrication, transformation. Je crois qu'on peut le dire autrement. Vous connaissez les trois grands secteurs dans une industrie. On dit que les industries sont séparées dans secteur primaire, secondaire, tertiaire. Donc, les entreprises qui font partie du secteur primaire, ce sont les entreprises qui font l'extraction des biens de la terre, des minéraux et tout ça. Les entreprises du secteur secondaire, ce sont celles qui font de la fabrication, transformation. Et les entreprises du secteur tertiaire, ce sont celles qui font la vente au détail et les prestations de services. Donc, on vise vraiment ici des entreprises du secteur secondaire. Donc, une entreprise du secteur secondaire, ceux qui fabriquent et transforment, c'est ces entreprises-là qui ont un taux d'amortissement de 10%. Alors que les autres types d'entreprises qui ne sont pas du secteur secondaire, eux, c'est 6% leur taux d'amortissement. Voilà, Jacinthe, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, une question de la part de Mélissa. Est-ce que nous allons recevoir le résultat de l'étude de cas avant l'examen intra? Possiblement, Mélissa, mais la chose la plus importante que je peux vous dire, la correction, il n'y aura pas une correction très, très détaillée qui va vous expliquer vos erreurs. Autrement dit, il va y avoir une correction qui va être faite pour qu'on soit capable de quantifier le niveau de compétence que vous avez atteint dans l'étude de cas. Là. Vous devez avoir un résultat sur 5, je vous l'accorde. Si vous voulez avoir des précisions sur où vous avez perdu vos points, de la façon que ça a été corrigé, il vous suffit de m'envoyer une fois que les résultats seront sortis.
Il vous suffit de m'envoyer un courriel, puis je vous expliquerai comment j'ai corrigé votre travail. Mais si vous voulez vraiment apprendre de l'étude de cas, il va falloir faire une autocorrection. Ça aussi, c'est écrit dans votre site du cours en ligne, dans le contenu de la semaine 6, la présente semaine. Donc, si vous voulez vraiment apprendre, si vous voulez vraiment que ça soit formateur, l'étude de cas, et surtout pas refaire les mêmes erreurs que vous auriez fait, le cas échéant, à l'examen, ça va être important que vous fassiez une autocorrection. Donc, à partir de lundi matin, tout ce que je vous dis là est écrit dans le contenu du site du cours en ligne, dans le contenu de la semaine 6. À partir de lundi matin prochain, le solutionnaire va être disponible. Donc, si vous allez dans le portail de... non, pardon, c'est toujours dans le contenu de la semaine 6 de votre cours en ligne, pardon. À partir de lundi matin, vous allez avoir accès au solutionnaire. Donc, allez voir le solutionnaire, il va être très détaillé. Puis, allez vous auto-corriger, puis allez voir vos erreurs vous-même, puis allez apprendre de ça, évidemment, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'examen. C'est ça qui va être le plus formateur, c'est sûr, pour la préparation à votre examen. Une autre façon, Mélissa, je dirais une autre façon de voir ça, c'est que vous avez l'étude de cas, c'est juste 5 points, entre guillemets. Donc, c'est comme une belle occasion où il y a 5 points disponibles, puis les résultats actuellement sont assez bons là, dans les études de cas par les étudiants. Donc, vous avez une belle occasion où il n'y a pas trop de points en jeu et vous allez aller pouvoir voir où vous avez fait vos erreurs. Donc, ce n'est pas trop cher à payer. Des fois, une étude de cas de 5 points, vous avez 3, 3,5, 4, puis vous allez voir vos erreurs, puis vous comprenez, puis vous ne les refaites pas à l'examen, alors que l'examen compte pour 35 points de la session. C'est ça l'idée, c'est de vous faire beaucoup réfléchir en faisant l'étude de cas, puis d'aller compléter cette étude-là avec une révision du solutionnaire qui va être disponible lundi matin. Tout ça à l'intérieur d'une évaluation qui vaut 5 points. C'est très bénéfique pour préparer un examen de 35 points. Voilà. Noéline, pouvez-vous dire un mot sur la notion de fractionnement de revenus? Noéline, il faudrait juste préciser votre question. Je ne sais pas qu'est-ce que vous... Je comprends. Ben, je sais c'est quoi le fractionnement de revenus, mais... Je vous demanderais juste de. Je vous laisse votre main levée. Vous pouvez juste me préciser qu'est-ce que vous ne comprenez pas exactement parce que c'est un peu vague comme question. Je vous remercie. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors, Sophie pose une question dans le petit clavardage. Il y a un des points que je semble toujours faire erreur dessus. Pouvez-vous m'éclaircir sur gain, perte sur disposition de placement ou d'immobilisation, s'il vous plaît? Parfois, il est en plus, d'autres fois, il est en moins dans la conciliation. OK. Donc, dans l'exercice de la conciliation, Sophie, vous avez raison. À chaque fois, donc, quand il y a une... Je vais essayer de prendre un terme plus jargon. Au lieu de parler d'immobilisation et de placement et tout ça, on va parler d'actif. Un actif, c'est un terme très large qui englobe à peu près n'importe quoi qu'une entreprise peut détenir. Un placement, un terrain, une immobilisation, ça rentre dans la grande définition d'actif. Quand une entreprise vend un actif, en comptabilité, il faut faire un calcul de gain ou de perte pour déterminer, c'est des règles comptables qui s'appliquent. Et dans l'état des résultats comptables, est reflété le gain ou la perte qui a été subi, qui a été calculé là, lors de la vente de l'actif. En fiscalité, les règles de calcul sont différentes. En fiscalité, lorsqu'il y a une vente d'actifs, il y a un gain en capital, une perte en capital, il y a un fractionnement par 50% qui doit être fait, il y a peut-être de la récupération d'amortissement ou une perte finale s'il s'agit de la vente d'un bien amortissable. Les règles sont complètement différentes. C'est pour ça que dans la conciliation, puis j'arrive à votre question, c'est pour ça que dans la conciliation, peu importe comment a été calculé le gain ou la perte par les comptables sur une vente d'actifs, il faut annuler ce traitement-là, annuler le gain ou la perte dans la conciliation parce qu'il va être remplacé par un calcul propre à la fiscalité avec ses propres règles qui s'appliquent en fiscalité. Et là, dans quel sens ça va? Bien, je vous demanderais juste de porter attention. C'est sûr que quand les comptables ont comptabilisé un gain, augmenté le bénéfice comptable, bien, si on veut annuler ce traitement-là dans la conciliation comptable, bien, si on veut annuler ce traitement-là dans la conciliation, il faut venir faire un ajustement en moins. Donc, il faut faire un ajustement en moins d'un montant équivalent pour annuler l'effet de ce revenu-là qui a été comptabilisé. Puis à l'inverse, si les comptables ont comptabilisé une perte sur la vente d'un actif, donc qui est venu réduire leur bénéfice comptable, leur bénéfice comptable étant le point de départ de la conciliation, ça va nous prendre un ajustement en plus dans la conciliation pour annuler l'effet de cette inscription-là en comptabilité. Ce qui vous a peut-être mêlé, là, je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais
Des fois, on parle de gain ou de perte. Puis, dépendamment si c'est en parenthèse ou pas, là, dans l'état des résultats, vous avez peut-être pensé que c'était une perte alors que c'était un gain. C'est aussi bête que ça, mais une chose est sûre, une fois qu'on est sûr que les comptables ont comptabilisé un gain, on fait un ajustement en moins dans la conciliation. Puis quand on est sûr que les comptables ont comptabilisé une perte, on fait un ajustement en plus dans la conciliation. D'ailleurs, petit truc, quand vous regardez un état des résultats, puis vous vous demandez si c'est un gain ou une perte que les comptables ont comptabilisé, essayez donc de refaire le calcul du bénéfice comptable. Quel chiffre ils mettent en plus, puis dans quel chiffre ils mettent en moins pour arriver au bénéfice comptable? Si c'est 100 000 le bénéfice comptable, là, il arrive comment 100 000? Si j'ai 325 000 de produits, 200 000 de charges, ça fait 125 000. Puis là, c'est marqué gain-perte sur vente d'actifs, 25 000. Puis là, je ne sais pas si c'est est-ce qu'ils ont comptabilisé un gain ou une perte. Ben si faut arriver à 100 000 de bénéfice net, c'est sûr que le 25 est en moins. Dans la comptabilité. Donc, c'est clairement une perte. Ça peut être un truc pour bien distinguer les gains et pertes qui sont comptabilisés. Alors, Sophie dit, merci beaucoup, c'est tellement plus clair. Tant mieux, Sophie. Un seul but. Alors, oui, Jacinthe, quand vous serez prête. Ah, oh, je vois la question de Jacinthe. Est-ce possible de regarder un exemple dans la BQI? Non. C'est pas que je ne veux pas, Jacinthe, mais les problèmes sont très, très complets dans la BQI en fiscalité. Je ne peux pas passer au complet un problème avec vous. Là. Il y a 2 à 3 pages, 4 pages d'énoncés, puis 2 à 3, 4 pages de solutions. Si vous avez un endroit précis que vous voulez me montrer, puis une question précise dans un des problèmes, ça me fait plaisir d'aller vous éclaircir la situation, mais... Je ne passerai pas à travers un problème au complet de la BQ en fiscalité si vous n'avez pas de questions plus directives que ça. Ceci étant dit, rien ne vous empêche de venir me téléphoner dans les prochains jours ou venir me rencontrer à mon bureau si vous avez envie qu'on prenne le temps de regarder tout ça. Là, mais dans le cadre du webinaire, je préférerais répondre à des questions plus précises. Alors, Samuel pose une question. Samuel, t'étais pas présent au début. Juste te rappeler, comme l'indique l'image que tu as à ton écran, s'il te plaît, quand tu veux poser une question, lève la main, entre guillemets. Donc, tu fais le geste de lever la main en utilisant le bouton qui se retrouve en haut à gauche de ton écran. Moi, ça m'envoie un signal sonore. Ça me dit que tu as une question et on peut répondre aux questions comme ça en ordre à tour de rôle. Mais là, je t'ai vu passer dans l'outil de clavardage. Samuel dit, par rapport aux revenus de biens, je suis souvent mêlé parce qu'on parle d'intérêts courus et payés. Est-ce qu'on déduit toujours les sommes courues? Bon, on va aller voir dans le volume. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas par cœur. Honnêtement, Samuel, c'est le genre d'affaires. C'est une bonne question. Là. C'est le genre d'affaires que je mettrais sur une de mes 2 feuilles d'annotation là, pour ne pas l'oublier au besoin. Donc, je suis dans le sujet 1, là, calcul du revenu d'entreprise et revenu de biens. Samuel me parlait de revenu de biens. Les fameux revenus de biens, on les retrouve à la fin du sujet, les revenus d'intérêt. Donc, on a ici la règle sur comment imposer les revenus d'intérêt. Elle est différente dépendamment de pour qui vous faites le calcul du revenu de biens. Si vous faites un calcul de revenu de biens pour un particulier, donc un individu, vous allez inclure seulement les revenus d'intérêt qui sont reçus. Donc, il faut vraiment
que l'argent a été encaissé, l'intérêt a été encaissé dans l'année. Donc, vous comprenez que au 20, je ne sais pas moi si le 15 décembre, j'encaisse un intérêt, je vais m'imposer dessus. Puis si l'intérêt suivant, je l'encaisse en janvier, ben je m'impose. Celui de janvier va être imposé absolument l'année prochaine. Donc, ça, c'est la façon de fonctionner pour un calcul de revenu de bien pour un particulier. Alors que si on fait un rapport d'impôt pour une société, une compagnie, et qu'on calcule le revenu de bien, ben là, c'est les intérêts qui sont gagnés. Donc, ça va nous gagner, c'est pas nécessairement reçu. Donc là, ça va nous demander vraiment de faire un découpage très, très précis des intérêts qui ont été reçus et aussi ceux qui sont courus. Donc, si je reprends mon exemple d'un intérêt qui est payable à chaque 15e jour du mois, ben le 15 décembre, on encaisse un intérêt, on s'impose dessus pour une société, et on s'imposerait sur un couru de 15 jours. Donc, on prendrait le prochain paiement d'intérêt qui va être reçu seulement le 15 janvier, et on prendrait un couru de 15 trentièmes, une demi, qu'on imposerait quand même en 2000, dans l'année courante, parce qu'il est gagné jusqu'au 31 décembre. Donc, en conclusion, c'est différent, dépendamment de est-ce qu'on fait un calcul de revenu de bien pour un particulier ou on fait un calcul de revenu de bien pour une société. Voilà, Samuel, j'espère que ça répond bien à votre question. Alors, Noéline, vous pouvez... Alors, je prends la question de Sophie dans le petit clavardage. Sophie dit, s'adresse au personnage M. Gaulin. Monsieur Gaulin, combien avez-vous vendu votre bâtiment? Donc, Sophie, malheureusement, je suis obligé de vous dire que la réponse vous est fournie dans les états financiers que vous avez. Donc, je vous rappelle que vous avez des états financiers sur 2 ans. Vous avez des notes aux états financiers. Et je vous rappelle, toute l'information que vous êtes capable d'obtenir avec une bonne lecture des états financiers, c'est ce que vous devez faire. Donc, je vous rappelle les trois principaux états qui sont présentés dans Sporomax, là, qui existent toujours pour des entreprises. L'état des résultats, donc les revenus moins les dépenses. Le bilan, qui fait état à une date donnée de ce que l'entreprise possède, les actifs, et ce qu'elle doit, les dettes et le capital action. Et il y a un troisième état qui est beaucoup moins connu et consulté, mais qui pourtant est très, très parlant, c'est l'état de flux de trésorerie. Donc, dans l'état des flux de trésorerie, on voit toutes les rentrées d'argent importantes et les sorties d'argent importantes en fonction des différents contextes que l'entreprise a vécu dans l'année. Donc, je vous invite à aller scruter comme il faut tous ces états financiers-là, Sophie, et vous allez avoir la réponse à votre question. Alors, Noéline, est-ce que pour le cas, le calcul du revenu de bien est nécessaire ou alors comment fait-on ou alors comment est-il fait? Comment fait-il partir des étapes où il faut respecter? Noéline, je vais encore vous répondre un petit peu la même chose, prenez-le pas mal, mais dans la méthodologie de l'étude de cas de cette semaine, puis dans les compétences que les étudiants doivent développer, entre autres, vous devez lire le travail à faire et bien l'interpréter. Donc, c'est pas moi qui vais l'interpréter pour vous. Donc, je commenterai pas le travail à faire, je peux vous le lire si vous voulez. Donc, si on regarde étude de cas Sporomax, on peut aller la voir dans votre volume numérique. Donc, vous savez que vos études de cas évaluées se retrouvent en annexe de votre volume. Donc, ici, la table des matières, vous reconnaissez vos 7 sujets et en annexe, vous avez vos différentes études de cas, elles sont là. Donc, Sporomax, celle sur laquelle on travaille en ce moment. Donc, je ne lis pas tout avec vous, je présume que vous avez tout lu, mais cette semaine, vous comprenez que ce qu'il faut faire, c'est la partie 1. Et le travail à faire, il est là, le travail à faire, c'est veuillez calculer le revenu pour la société Sporomax relativement à l'année d'imposition 2018. Donc, on ne lit pas la partie 2, on ne lit pas le travail à faire dans la partie 2, c'est pas ça qu'on fait cette semaine, c'est seulement la partie 1. Mais à partir de là, je ne vous dirai pas comment calculer un revenu, je ne vous dirai pas qu'est-ce que ça inclut, un calcul de revenu, puis qu'est-ce que ça n'inclut pas, c'est vraiment... c'est les 7 compétences-là que vous êtes appelé à mettre en pratique, de bien interpréter le travail à faire, entre autres, et de bien y répondre.
Émilie a la main levée. J'imagine que vous avez une question, Émilie. Utiliser le petit clavardage. Oui, ben voilà. Alors, Émilie demande dans le petit clavardage, question un peu évidente, mais dans les éléments à inclure au revenu, les ventes à crédit le sont. On parle bien ici des comptes clients, débiteurs. Je ne suis pas certaine car je croyais avoir compris qu'il ne fallait pas vraiment utiliser le bilan. OK, c'est une bonne question, Émilie. Vous me forcez à amener une précision, puis vous faites bien de le faire. Donc, vous avez raison, les ventes à crédit pour une entreprise, ça fait partie des éléments à inclure. Vous l'avez lu dans le livre, vous avez tout à fait raison. Puis vous me dites, est-ce que c'est ce qu'on appelle des comptes clients, des débiteurs? Vous avez raison, c'est comme ça qu'on les appelle. Puis là, vous me dites, oui, mais c'est dans le bilan qu'on voit qu'il y a des ventes à crédit ou des comptes, des débiteurs. Vous avez raison, mais je ne sais pas si vous êtes des étudiants en comptabilité, mais ça peut être dur à concevoir peut-être, mais en comptabilité, quand une opération est comptabilisée, il y a toujours deux postes qui sont affectés. D'accord? Donc, par exemple, quand une entreprise fait une vente à crédit, les deux postes qui sont affectés dans la comptabilisation de cette transaction-là, c'est d'une part les ventes. Donc, dans l'état des résultats, ça augmente le chiffre d'affaires, ça augmente les ventes. Et par ailleurs, puisque l'argent n'est pas encaissé, on peut pas augmenter l'encaisse. On va plutôt mettre un poste qui est dans le bilan comme étant à recevoir. Donc, la même transaction, elle est à la fois reflétée dans les postes d'état des résultats, à savoir dans le chiffre d'affaires, si on parle d'une vente, et la même transaction est à la fois reflétée dans un poste de bilan, dans ce cas-ci, les comptes à recevoir. Donc, on dit la même chose, là, les comptes à recevoir, on parle de la même chose, puis c'est pas surprenant qu'on les voit à deux endroits. Un de vos collègues étudiants, tout à l'heure, m'a posé la même question sur les impôts. Il disait, ouais, mais je vois des impôts à la fois dans l'état des résultats, puis à la fois dans le bilan. Ben, c'est peut-être une meilleure façon, peut-être une meilleure réponse que j'aurais dû lui donner tout à l'heure, l'explication que je viens de vous donner. C'est la même chose pour des impôts. Quand on comptabilise des postes d'impôts, ben, on comptabilise toujours dans deux postes. Une transaction affecte toujours deux postes. Donc, dans ce cas-ci, des impôts qui se retrouvent à l'état des résultats et des impôts qui se retrouvent aussi au bilan. Mais nous, je répète ce que je vous ai dit, c'est vraiment en scrutant l'état des résultats que vous allez trouver le maximum des éléments de conciliation que vous avez à faire. Alors, Émilie a compris mon explication de la comptabilité en double partie. Tant mieux. Alors, il nous reste un dernier 15 minutes. Si vous voulez poser des questions, c'est le temps. Profitez-en. Alors, on en a une de Noéline. Question qui s'en vient. Et ensuite, Mélissa. Qui ont été effectués il y a plus de 2 ans et qui pose la question dans le petit clavardage. Monsieur Gaulin, dans votre solde au poste des débiteurs, y a-t-il des ventes qui ont été effectuées il y a plus de 2 ans et qui n'ont pas été payées entièrement et qui se rattachent à un engagement contractuel? Je comprends très bien la question, Mélissa. C'est une très bonne question. Vous comprenez très bien aussi le fonctionnement des postes de comptabilité pour poser une question comme ça. Il n'y en a pas. La réponse, c'est non. Vous avez raison que s'il y en avait,
Ils apparaîtraient dans les débiteurs et ils seraient possiblement, ils seraient noyés dans le poste de débiteur. Je comprends que vous savez qu'il y a un traitement fiscal particulier à appliquer sur ce genre de vente-là. Donc, c'est important de dénoter s'il n'y en avait pas de telles ventes noyées dans les débiteurs. La réponse est non, il n'y en a pas. C'est une excellente question. Je vous remercie. Noéline. J'espère que ma question n'est pas mal placée. Après avoir lu en détail les annexes de l'étude de cas où il y a d'autres pages qui suivent que nous devons tenir d'autres pages qui suivent de notre compte rendu qui y sont. Non, ma question est pas mal placée. Si on retourne voir le travail à faire de l'étude de cas où on était tout à l'heure, donc le, effectivement, là, quand je suis toujours, je vous rappelle là, où je suis dans la. Si on prend votre volume numérique. La table des matières, et vous la reconnaissez. Je vous disais tout à l'heure, en annexe, on a nos différentes études de cas. Donc, si je clique sur SportMax ici, donc on lit la méthodologie. C'est important que vous lisiez ça. Ça résume un peu ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, à savoir qu'il faut que vous fassiez un travail réel sur des documents réels, puis que vous n'aurez pas l'aide du prof. Mais, vous allez, mais cependant, si vous posez des questions factuelles au client auxquelles il peut vous répondre, il va le faire. La seule annexe, Noéline, que vous avez besoin d'utiliser, c'est les états financiers de SportOmax. Donc, c'est vraiment les 8 pages d'états financiers qui vont suivre. Et pour cette semaine, la seule chose à faire, c'est de résoudre la partie 1, donc de répondre au travail à faire qu'on retrouve ici. On ne lit pas la partie 2, on ne répond pas à la partie 2, on va faire ça beaucoup plus tard dans la session. Donc, vos états financiers, vous les avez ici, vos 8 pages d'états financiers, donc état des résultats, bénéfices non répartis, flux de trésorerie, bilan, notes complémentaires et les renseignements supplémentaires. Donc, ces 8 pages, c'est tout ce que vous avez besoin pour compléter l'étude de cas de cette semaine. Alors oui, Noéline, j'attends votre question. Alors oui, Mélissa, je vais prendre le temps de lire votre question. Voilà. Pour les revenus de dividendes, page 90 du volume, lorsque vous inscrivez le taux dans la déclaration de revenus du Québec, est-ce que ça veut dire qu'au fédéral, ça n'existe pas? Je vais aller voir ça avec vous. Donc, page 90.
90. Je ne sais pas si c'est exactement ça votre question, mais donc ici, on vous explique que lorsqu'un particulier, premièrement, juste bien dire, bien que vous compreniez bien, le cours, il porte sur les règles des règles de fiscalité fédérale applicables. Le volume, il ne parle que des règles fédérales, puis l'examen, puis votre cours, il ne porte que sur les règles applicables au fédéral. Donc, on parle très, très peu souvent des règles applicables dans. Au niveau de la loi provinciale en lien avec une production de déclaration de revenus au Québec, pour la province de Québec. C'est pas ça du tout qui est matière au cours, puis le livre porte pas là-dessus. Il y a quelques petites exceptions en note de bas de page, des fois, où on rappelle des règles en vigueur au niveau provincial qui sont différentes, mais c'est vraiment pas important, même pas du tout. Vous, ce qui est important, c'est les règles fédérales. Donc, au niveau fédéral, quand un particulier encaisse un dividende et que lequel dividende se qualifie de dividende déterminé, quand on fait le rapport d'impôt au fédéral, il faut majorer le dividende de 16 %, alors que les revenus qui ne se qualifient pas de dividende déterminé, eux, c'est une majoration de 38 %. Donc ça, c'est les règles qui s'appliquent dans le rapport, dans une déclaration de revenus fédérale. En note de bas de page, on vous donne les équivalents pour une déclaration de revenus du Québec, donc une provinciale, mais ça, c'est pas important pour vous. Donc, je ne sais pas si ça avait été compris comme ça. Je sais pas si ça avait été compris initialement comme ça par Mélissa. Reposez-moi une question, Mélissa, si ce n'est pas clair. Noéline demande. Monsieur Gaulin, peut-il faire une précision sur la nature de ces dividendes? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement, Noéline? Monsieur Gaulin ne connaît rien à la fiscalité, il connaît rien au monde des affaires. Donc, si vous lui posez des questions précises et simples, il pourra vous répondre. Mais si c'est trop vague, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que vous voulez savoir. Donc, dites-moi exactement ce que vous voulez savoir. Qu'est-ce que vous entendez par une précision sur la nature des dividendes? Puis on va. Dividendes déterminés. Laissez-moi voir, Noéline. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre note de ce que je vais vous dire, mais dans les états financiers de Sporomax, à la page 2, donc dans l'état des résultats, on voit des revenus de dividendes qui ont été gagnés par Sporomax Incorporé. C'est 1590 qu'on retrouve dans l'état des résultats. Je peux vous le décomposer, ce 1590-là, parce que il comprend deux dividendes différents qui ont été reçus par Sporomax. Donc, la première portion, c'est une portion de 1 200 $ qui a été versée par une société canadienne. Et effectivement, c'est un dividende déterminé, puisque vous me posez la question. Et le reste, l'autre dividende, donc 390 $, ça a été versé par une société étrangère, donc une société qui est de l'extérieur du Canada et qui a versé un dividende de 390 $ à Sporomax. Donc voilà, Noéline, votre question était précise. Je vous remercie. Alors, il nous reste 5 minutes pour le temps peut-être pour une ou deux dernières questions.
Alors, on a une dernière question de la part de Sophie. Dans le calcul du revenu, pouvez-vous expliquer ce qui se trouverait en 3C et en 3D? Donc, Sophie fait référence, les alinéas, quand on dit alinéa 3D, 3C, 3D, je sais exactement à quoi vous faites référence, mais c'est pas, peut-être c'est plus mêlant qu'autre chose pour les gens. Ça fait référence à ce qui a été vu en fiscalité 1. Je vais vous répondre, Sophie, mais juste vous dire, si vous allez, si c'est pas, si vous vous rappelez pas c'est quoi les différentes composantes dans un calcul de revenus, essentiellement, il y en a quatre grandes composantes. Elles sont identifiées par les alinéas 3A, B, C et D. Et je vais vous expliquer ça en une minute, mais si vous voulez avoir du détail là-dessus, référez-vous au taux moyen du volume, la fiscalité 1 que vous avez fait la session passée, possiblement, ou l'année passée, c'est le sujet 3. Donc, si vous allez dans le volume de fiscalité 1, le tome 1 du volume, sujet 3, vous allez retrouver ce que je vous dis de façon détaillée et imagée. Les quatre composantes, c'est à 3A, on retrouve les principales sources de revenus gagnées par un contribuable. Donc, les revenus d'emploi, les revenus d'entreprise, les revenus de biens, puis les autres sources de revenus possibles. A3B est concentré tous les gains en capital imposable et les pertes en capital déductible. A3C, on retrouve dans le troisième bloc, dans le revenu, des déductions qui sont possibles. Mais ça, c'est seulement sont seulement possibles pour des particuliers. Donc, les sociétés n'ont pas droit à ces déductions-là. Et A3D, c'est les pertes. Donc, les mêmes sources de revenus qu'on a listées tout à l'heure à 3A, revenus d'entreprise, ben, un revenu d'entreprise dans une année, ça peut donner une perte d'entreprise si ça va moins, s'il y a plus de dépenses que de revenus. Même chose pour certains revenus de biens qui peuvent tomber négatifs. Donc, les pertes d'entreprise, les pertes de biens, c'est à 3D dans la dernière section du calcul du revenu qu'elles se placent. Donc, c'est un sommaire en 30 secondes, une minute de tout ce qui avait été vu dans le sujet 3 de fiscalité 1. Noéline, une dernière question? Pendant que Noéline prépare sa dernière question, peut-être pas, on verra. Je profite des dernières minutes qui nous restent pour tout d'abord vous remercier. Donc, je suis content que vous ayez participé. Vous avez été. C'est facultatif, mais je me mettais disponible pour répondre à vos questions, puis vous avez répondu présent, donc c'est tout à votre honneur. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Juste vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure dans le cours en ligne, les différentes façons pour me rejoindre. Donc, c'est pas juste cette semaine que vous pouvez parler pendant 1 heure et demie à votre professeur, c'est tout le temps. Le seul problème, c'est que vous le faites pas la plupart du temps. Donc, vous reconnaissez le fameux site web de votre cours en ligne. Votre page d'accueil ici à droite, joindre le professeur. Donc, si vous cliquez là, vous avez toutes les coordonnées qu'il faut pour me rejoindre. Donc, je suis tout le temps disponible, sans rendez-vous. C'est pas compliqué. Vous passez, donc, il y a trois possibilités en personne. Si vous êtes de passage dans les murs de l'UQTR, vous pouvez venir me voir, me poser des questions. Par téléphone, pas besoin de prendre rendez-vous, vous appelez ce numéro-là n'importe quand. Je vais répondre à vos questions. Ou si vous préférez, poser des questions par écrit, en utilisant le fameux forum de discussion, Wikifisk, qui est mis en place pour mettre en commun toutes les questions posées par tous les étudiants. On aura aussi un autre webinaire, on aura un deuxième dans le trimestre qui va avoir lieu à la toute fin du cours, juste avant l'examen final. Donc, je suis disponible pour répondre à vos questions. Beaucoup d'entre vous, souvent, vous ne les posez pas, vous restez isolés avec vos interrogations. Donc, il n'y a pas juste 1 heure et demie de webinaire où je suis disponible pour répondre à vos questions. Profitez-en. Dans la deuxième partie du cours, n'hésitez pas à communiquer avec moi de n'importe quelle façon pour ça. Alors, je réponds à la dernière question de Noéline, puis après ça, on s'en va manger tout le monde. Monsieur Gaulin, a-t-il une conjointe des enfants? Si oui, sont-ils liés à la société? Avez-vous déjà eu à leur faire des transferts? Donc, non, Monsieur Gaulin, il n'y a pas de conjointe, puis il n'y a pas d'enfant, tout simplement. Voilà. Bonsoir à tout le monde, bonne étude, puis je vous souhaite bonne chance aussi à l'examen la semaine prochaine.